Bienvenue dans Flash ça, qualification Euro 2024. Portugal gagne équipe Slovaquia 3 goals à 2 pour lui valider billet qualification pour Euro 2024 là qui pral organiser dans pays l'Allemagne. C'est suite avec un doublé de Cristiano Ronaldo et un goal de attaquant Paris Saint-Germain. On a parlé de Gonzalo Ramos. À noter que Bruno Fernandes lui sorti avec deux passes décisives dans match football si là. Donc après deux goals Cristiano Ronaldo inscrit hier là et ça fait un pile histoire et Cristiano Ronaldo qui rentre plus dans l'histoire jouet ça qui c'est football. Cristiano Ronaldo vini là avec 38 goals pour année 2023 et il vini premier joueur européen de l'histoire qui remarque 7 goals en sélection à 38 ans d'âge. Donc c'est pas un bagage qui qu'on fait du tout et Cristiano là qui vini avec 125 goals pour 202 matchs li joué pour sélection portugaise là. Et bien après match ça dans micro la presse Cristiano Ronaldo qui révélé et un défi là que président équipe FC Porto qui c'est un club portugais et président équipe FC Porto qui c'est Pinto da Silva et mais Pinto da Silva qui bail Cristiano un défi. Défi à qui s'allier, c'est pour arriver à marquer 1000 goals pendant la carrière. Cristiano Ronaldo qui te parle comme ça. Je connais la difficile, mais tout bagaille possible. Si physique, moi, avec jambes moins traitées, moi, pensé, tipa, m'a motivé. En attendant, m'a marché pour moi, si m'a marqué 900e goal moins. À noter que Cristiano Ronaldo lui déjà marqué 857 goals pour 1185 matchs, li joué déjà. Parmi eux, li déjà joué 202 matchs pour sélection et li marqué 125 goals. Donc Cristiano Ronaldo qui a 143 goals de défi ça. Est-ce que Cristiano Ronaldo à 38, 39 jusqu'à 40 ans a privé marqué 1000 goals pendant carrière? Donc ça a été pour nous suivre et ça fait nous sentir que à 38 ans d'âge Cristiano Ronaldo a Lipoko a bay vague. L'autre résultat qui t'est arrivé fait pendant qualification sa yo, match choc journée, c'était équipe française là qui t'est déplacée pour t'aller jouer la ca équipe Pays-Bas. Et mais la France difficilement qui gagne équipe Pays-Bas 2 goals à 1 grâce avec un doublé de Kylian Mbappé. Donc la France là nous capable dire qui renoue avec la victoire. Nous songeons dans dernier match la France t'est joué en amical face l'Allemagne, yo t'ai perdu 2 goals à 1 et Didier Deschamps après match ça qui t'ai fait connaître que français yo est pas trop habitué avec défaite et bien là yo renoue avec la victoire grâce avec un doublé de Kylian Mbappé et du coup yo toujours une qualification tout directement pour Euro 2024 là. Donc la France qui pral bel et bien présent, la France déjà qualifiée même j'ai avec Portugal et gagné tout sélection belge là lui même qui était déplacé pour d'aller jouer face Autriche lui même tout qui joue une qualification la Belgique qui gagne Autriche 3 goals à 2 en déplacement de même que la Grèce qui a gagné Irlande 2 goals à 0 en déplacement. Qualification Euro a continué pendant tout week-end ça avec de très belles affiches. Donc là, ou gagne intérêt pour toujours être connecté avec Stevenson Debitus pour capable rester informé sur toute actualité sportive yo, que ce soit tes qualifications Euro, qualification pour Coupe du monde cap joué dans Am Sud là et Ligue des Nations cap joué dans CONCACAF là, qualification Coupe du monde cap joué en Afrique et en Asie, restez connectés avec Stevenson Debitus pour capable toujours être informé. À la prochaine.